Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Manjo, il est pas encore réveillé. Puis moi, je suis habillée en mou. Je pense que je vais rester de même aujourd'hui. J'ai juste comme vraiment trop bien. C'est des leggings des jogging du H&M, c'est de maternité là, comme ça, que j'avais acheté au début de ma grossesse. Puis ça, c'est un chandail normal, fait que genre, c'est comme un sweater, mais mince, que j'avais pris chez Old Navy, mais ça fait genre des années. Fait que, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, on est lundi. Ça a été un gros week-end. J'avais tellement mal dans le bas du dos, là. C'est les joies de la fin de la grossesse, mais écoutez, ça fait partie de la game. J'avais genre le nerf sciatique bloqué. Mais ce matin, ça va bien, fait que je suis bien contente. Puis, il y a eu full d'avancement avec la salle de bain. Regardez la grosse ploune. Oh, top bornouche. Oh, top bornouche. Oui, c'est ça. Il y a eu full d'avancement. Je suis vraiment contente. On a eu de l'aide de mon beau-père samedi pour poser le lambris. Les gars, ils ont tout fait le mur. Fait que je vais vous montrer ça. C'est vraiment cool. Puis, dimanche, mon beau-frère est venu nous aider pour faire le coulis du sol. Fait que je suis vraiment contente aussi. C'est fait. Fait que le plancher, c'est comme fait. Le mur aussi. Ça avance, là! On est dans les derniers milles, puis on a pris la décision, là, à moins que ça change, là, de faire carreler la douche. C'est juste qu'on n'arrive pas à trouver personne, là. Genre, j'ai fait des soumissions, là, je pense que j'ai fait, genre, littéralement 7 soumissions, puis genre, c'est pas tout le monde qui répond. J'ai beau appeler... ouais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui répond. Fait que... à suivre, à suivre. Mais c'est ça, de toute manière, moi là, mon beau-frère, il est parti avec, c'était à lui, sa scie, la scie pour couper la céramique, fait qu'il est parti avec, fait que je suis comme, bon, la décision est prise, on fait carreler. Non, mais pour vrai, on est un peu tanné. Puis sinon, ben c'est ça, ça a quand même bien été, les rénaux, c'est le fun quand c'est une fin de semaine que, genre, nos objectifs sont atteints comme à 100%, et même un peu plus, parce que finalement, le lambris, quand on est arrivé pour le... ben, quand ils sont arrivés pour le poser, parce que moi, c'est ça, j'avais trop mal au dos, là, en fin de semaine, pour faire quelque chose. Il y avait, genre, on avait comme pas passé, là, à quelque chose pour le renvoi de la robinetterie de la vanité. Fait que là, il a fallu comme gosser un petit peu, qu'il gosse là-dessus un petit peu. Puis, moi, j'ai genre acheté des pièces au Rona. Mais c'est ça, fait que ça a quand même avancé parce que ça a permis de mijoter un petit peu là-dessus plus en profondeur. Fait qu'en tout cas, je vous laisse pas languir là-dessus, je vais vous montrer les résultats. Donc regardez, c'est fou, je capote. Puis la céramique avec le coulis aussi là, tu sais, ça avait vraiment plus un effet final. Fait que j'adore là, je trouve ça tellement beau. Ça fait un peu comme étouffant le mur qui est là, tu sais, avec le bois et tout, mais c'est parce que nous, on va le peinturer. C'est vraiment beau comme ça aussi, mais c'est vraiment pas le look qu'on veut donner, fait que c'est ça, ça fait, c'est vraiment magnifique. Je montrerai comme de plus proche, mais là, c'est ça, le coulis, faut attendre 24 heures, là, ça a l'air d'être bien beau, mais j'ai comme pas envie de me mettre les pieds là-dedans. Puis on a tout fermé pour pas que les poils à banjo rentrent, c'est plus ça le problème. Fait que voilà, fait que ça fait vraiment beau. On va peinturer ce blanc, puis ben on va mettre un bon primer pour pas que les nœuds ressortent de la peinture, parce que sinon les nœuds de du lambris, ça va ressortir, là, ça va venir jaune. Fait que ça fait vraiment beau, je capote là, on est sur la fin. Fait que c'est ça, fait que c'est un gros avancement. Puis la semaine prochaine, ben là, ça va être le tirage de juin, puis... c'est ça. Pas mal ça, là. C'est quand même long à faire, là. C'est pas complexe. Ben oui, c'est quand même complexe, là. Mais c'est juste long. Puis après ça, la peinture. Après ça, installer la vanité, la toilette, le bain. Puis les robinetteries qui vont avec. Puis la douche, on va faire le carrelage. Puis va falloir installer comme la robinetterie, mais... chaque chose en son temps. Puis il va falloir faire les vitres aussi de la douche. Mais ça c'est pas nous. Donc aujourd'hui au planning, j'ai eu une belle journée de ménage, j'ai fait le montage de mon vlog ce matin. Puis c'est ça, dans le fond, ce que je veux faire, je vais juste me prendre ma petite gorgée de café ici. Ouais, fait que, oh attendez, faut que je prenne mes petites pilules prénatales ici. Bon, c'est pris. Donc c'est ça.
Dans le fond, ça, j'ai quand même une bonne semaine de ménage parce que c'est mon shower en fin de semaine que ma mère et ma belle-sœur pas mal organisent. Je pense que c'est pas mal les deux, là, en tout cas. Je suis comme pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe, mais ça va être ici dans la cour. Mais c'est ça, je vais faire quand même une bonne... un bon message. Oh, là, je vous dis ça là, avec les carreleurs. Puis là, attendez. J'ai comme 6 messages. Mais... deux. C'est des numéros inconnus, fait que je vois pas qui c'est, ça serait drôle. Mais c'est ça, j'aimerais ça faire un bon ménage. De toute manière, je suis due là, parce que c'est ça, c'est... avec les rénaux, là, on est plus que due. Puis aujourd'hui, je vais commencer par m'attaquer, par laver mon sofa. Dans le fond, mon Dieu, il est vraiment mal placé en plus de ça, mais bon. Dans le fond, je me fais souvent demander de où vient mon sofa, puis c'est un sofa IKEA. Je l'adore. Pour vrai, dans le temps, là, il a changé de nom. Dans le temps, il s'appelait le Vimli, puis là, c'est rendu le Finala, quelque chose du genre. Je l'adore. On l'avait payé tellement pas cher dans le temps, gang, là. Pouvez-vous croire que pour la méridienne comme ça, on avait payé 600$. 600$, au moins. Il est rendu à 1000 quelques maintenant, je pense. Fait que... mais reste, ça reste pas cher, je trouve, quand même, pour un sofa méridienne. Puis, c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup parce que moi j'aime beaucoup les sofas en tissu, je trouve niveau confort c'est vraiment plus confortable. Puis toutes les housses sont lavables, fait que on aime ça. Donc, je vais tout dézipper ça, mettre ça à la laveuse avec du bon vieux Tide. Puis moi je les réinstalle, tu sais ma laveuse elle les sort vraiment bien. Fait que je les réinstalle comme humides. Ils sont mouillés, mais ils sont en fait humides, là, parce que c'est ça, ma laveuse, il sort vraiment bien. Fait que je les réinstalle là-dessus, puis ils sèchent là-dessus. Fait que, parce que si on les met dans... ça dit, là, de pas les mettre à la sécheuse, parce que ça peut venir comme plus petit. Tandis que là, ils shrink en séchant sur le coussin. Fait que ça fait un plus bel effet. Je l'adore. Pour vrai, là, c'est vraiment un plus. Je vais frotter, il y a des petites taches un petit peu ici et là, là, mais tu sais... pour vrai, j'ai sauté un... je lave aux 3 mois, je vous dirais. Puis là, là, ça doit faire 6 mois là, que je l'ai pas lavé. Genre depuis les vacances de Noël, c'est même pas plus pour vrai. C'est quasiment gênant. Puis tu sais, avec un chien, tu sais, je veux pas, ça reste un sofa pâle. Mais pour vrai, tu sais, il salit pas, là. Ça apparaît presque pas. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un rangement en dessous. Fait qu'on met toutes nos couvertes. Oh, ça va, je suis désolée, j'ai dépilé dessus. Oh, petit cœur! Mais ouais, il y a comme des petites... j'ai arraché une motte de poils, en fait. C'est ça qui a fait mal, pas petit cœur. Mon Dieu, il a eu mal longtemps. C'est ça, fait que je, là, j'ai tout mis les couvertes vraiment mal pliées, là, mais bon. Fait que ça permet d'avoir du petit rangement. Il y a juste les accoudoirs, dans le fond, qui sont lavables, mais il faut comme démonter. Tana! Il faut démonter... comme plus intense, là. Fait que ça, je les lave plus comme à la main, là. Donc, je vais m'attaquer à ce projet ce matin. Fait que ça donne ça une fois toutes les housses enlevées, fait qu'il reste juste comme l'espèce de coussin, là. Puis, dans le fond, je vais nettoyer un petit peu les accoudoirs. J'ai vu que celui-là, il était un peu dégueu. Fait que je vais le nettoyer. Dans le fond, je vais prendre une petite guenille. Puis, je vais m'essayer avec le petit savon de Marseille. Comme ça, j'ai reçu ça dans un colis. Puis, je sais que c'est vraiment bon pour détacher. Fait que je vais m'essayer avec ça. Banjo, tu montes-tu comment t'es un bon chien? Tu montes-tu comment t'es un bon chien avec ton nouveau harnais? Hein? On est en apprentissage? T'es bon. T'es bon. Ouais. Et mon Dieu, j'ai la couette de tout bord. Donc, il est rendu midi, puis on revient d'aller marcher une toute petite marche, Banjo et moi. Parce que dans le fond, on a, ça, ben, tout de suite, ça a pris quand même un bon... une demi-heure, voyons. Mais on n'a pas fait de grande distance parce qu'on essayait son nouveau harnais. Son nouveau, on l'a acheté, ça fait vraiment longtemps, mais on l'avait pas introduit. Parce que c'est ça, dans le fond, Banjo, il y avait un harnais. Mais là, dans le fond, on voulait introduire le Alti, qui est un harnais, mais qui se met sous le museau. comme qui se met ça, à l'entour de la bouche. Fait que quand il tire, ça lui tourne la tête au lieu de quand il tire, ça,
ça le squeeze, admettons, un harnais normal. Puis là, il a chaud le petit cœur, hein? Oui, t'es content, ça a bien été, il a été un bon chien. Au début, c'était un petit peu difficile, là, il voulait tout le temps se l'enlever. Puis il réussissait, là, on a genre, je pense que ça a pris 10 minutes de faire juste le, jusqu'au bout de la rue. Mais ça a vraiment bien marché, il tirait vraiment moins. Parce que c'est ça, tu sais, je veux qu'il tire moins. Puis des bouviers bernois, c'est des chiens qui ont toujours, dans le fond, dans leur gène, là, c'est des tireux. Tu sais, ils tiraient genre des chariots, puis ces choses-là. Attendez, mes cheveux, mais non. Tout moins bien? Ouais. Puis c'est ça, c'était des chiens qui tiraient des charges dans des montagnes. Fait que, tu sais, ils sont comme un peu, ils ressentent rien, là, puis ils peuvent se blesser. Tu sais, des fois, Banjo, ils tirent tellement, ça y arrache du poil, puis ils s'en rendent même pas compte. Fait que, tu sais, je voulais pas non plus y aller avec un choker ou quoi que ce soit de genre. Puis là, tu sais, parce que c'est ça, c'est qu'est-ce qui est bien, tu sais, si ça y tire pas, ça y fait tourner la tête. Il aimait pas ça, là, il aimait pas ça. Mais ça a bien été. À la fin, tu sais, j'ai apporté pas mal de gâteries, puis à la fin, tu sais, c'était correct. Fait que je trouvais que c'était bien, tu sais, parce que là, avec l'arrivée du bébé, c'est pas vrai que quand on va se promener en poussette, il va tirer. Puis là, c'est ça, on avait comme un... Depuis qu'on a acheté dans la maison, on avait comme un petit peu laissé aller à ce niveau-là. Fait que là, on ramène là, avant que bébé arrive, là, un petit peu tard, mais bon. Ça a bien été. Déjà, avec juste une marche, je trouvais que ça paraissait. Parce que, tu sais, on va vouloir emmener Banjo quand même, puis je veux pas qu'il reste à la maison parce que je trouve ça plate qu'il... Tu sais, qu'il soit... qui tire avec la poussette pis tout, pis ça peut devenir dangereux. Fait que bref, très belle option si jamais. Puis nous, on avait déjà la laisse Alti dans le fond, fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accroché après son harnais de museau. Puis je l'ai mis sur son harnais de corps que j'ai laissé dans le fond. Parce que je maniais comme les deux. Les deux, ils ont des attaches dans le fond. Fait que je maniais les deux parce que, tu sais, là, au début, genre, il comprend pas que ça tire. Fait que, tu sais, je veux pas que ça lui donne un gros coup ou quoi que ce soit. Fait que j'y allais comme juste tranquillement. Puis ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Je sais que certains chiens, là, ils aiment pas ça. Puis ils disent, tu sais, d'y aller tranquillement. Mais Banjo, c'est un peu effet plaster. Là. Lui, là, c'est tout ou rien. Puis ça le stresse comme moins comme ça. C'est sûr qu'il était pas chill. Mais ça a bien été. Vraiment, là, après un petit 10 minutes là, d'entêtement, il a compris que ça allait continuer comme ça. Puis il a laissé aller, puis on a fini la marche. Puis ça a bien été. Je pense que, tu sais, au début, il a essayé d'enlever, c'est ça, pendant les 10 premières minutes. Puis les 20 minutes qui restaient, il l'a enlevé une fois. Fait que c'est ça, il a comme il a passé autre chose, il a compris que je lâcherai pas la patate. Puis là, pour dîner, j'aime faire une petite sandwich aux œufs. Je me suis fait, j'avais fait ça hier pour le lunch à mon chum. Puis il s'en est fait pour moi aussi. Fait que je vais faire ça, faire griller mon pain, puis je vais manger ça. Et je vais peut-être manger ça dans des petits pains comme ça briochés. Ça pourrait être bon. Moi, ça ferait comme un petit peu des sandwichs farcis de l'épicerie. Ouais, c'est ce que je vais faire. Puis sinon, j'ai lavé tout mon sofa IKEA. Donc, il est propre, propre, propre. Non, 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 on saute pas dessus, toi. Donc, il est propre, propre, propre. Ouais. Oh, c'est un bon chien. Oui, c'est un bon chien. Puis là, cet après-midi, ce que je veux faire, c'est m'attaquer à laver mes armoires, là. Genre le bas de mes armoires, je pense, puis le haut, je vais le faire un autre jour. Ouais. Tu parles d'une journée productive? Ah! Oups, il y a la couverte, et là, ça traîne partout, mais... Anyway, j'ai lavé toutes mes bas d'armoire. Ils sont devenus blablablants, puis j'ai comme lavé l'espèce de tour, là, tu sais. Genre cette partie-là, là, tu sais, qui fait tout le tour, elle était vraiment sale, on s'en rend pas compte à un moment donné. On dirait que, tu sais, quand il y a des choses qui ont tombé, puis là, ça a volé, puis on s'en est pas rendu compte. Puis là, je viens de finir ma deuxième poignée, comme ça. Fait que j'ai fait, c'est ça, j'ai coupé là, celle-là, que j'ai laissé les aiguilles, il faudrait bien que je l'enlève. Mais ouais, fait que j'ai coupé celle-là. Celle-là, je l'avais déjà fait. Fait que là, c'est officiellement terminé pour la petite métamorphose de la poussette. Je trouve que ça fait vraiment beau, je la trouve vraiment hot. Ouais, aimez-vous ça? Ouais, fait que c'est ça. Puis,
Ouais, je la trouve vraiment... Je trouve que ça fait vraiment comme chic. Puis c'était comme un, quand même un sport parce que c'est ça, il s'enlève pas, tu sais, le guidon. Fait que faut être dans les positions un petit peu tout croche. Puis là, avec, avec la bédaine, c'est comme pas évident. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, mon chum, il vient de... J'ai demandé d'aller à la poste. Puis j'ai reçu des beaux colis. J'ai fait une commande pour Arthur, mais aussi pour nous. Puis je crois que j'ai reçu, oh, je pense que c'est ça, mes imprimés. J'ai deux cadres, tu sais, que j'ai achetés là, il y a quelques temps. Hey, je suis toute décoiffée, hein? Excusez. C'est ça qui arrive quand c'est des grosses journées comme ça de ménage. Et my, my. Mais c'est ça, j'avais acheté des cadres, puis j'ai acheté des petites illustrations sur Etsy. Fait que je pense que je vais ouvrir ça. Je vais regarder le tout. Bon, je pense que j'ai commencé par le colis pendant que mon chum est dans la douche. Le colis de Halloween. C'est débile. Ouais, c'est ça. Allez, j'ai acheté les pyjamas d'adultes. Comme avec bon, des petites citrouilles. Fait un d'adulte. J'ai pris un 18 mois pour l'an prochain pour Arthur, tu sais, pour pas qu'on s'en rachète. J'en ai pris un newborn, là. Lui, je l'ai acheté chez Carter's directement. Regardez, une bavette First Halloween. J'ai acheté les petits bouts d'Halloween. 0,3 mois. Regardez ça. Regardez ça. Bouh. Puis, les autres. Les autres, c'est des lignées comme ça. Oh, il y en a un qui vient fouiner. C'est trop chaud! Oh! De même, celle-là, c'est celle-là de mon chum. Ouais. Fait que là, je vais la remettre dans son emballage. Puis, je vais mettre celle-là d'Arthur dedans, qui est dans son garde-robe. Fait que je vais faire ça, oui. Regardez, lui, je l'avais pris directement au magasin parce qu'il était plus dispo sur le site web. Puis c'est un newborn. Puis ce que j'aime, c'est que tu sais, c'est comme des petites mitaines sur le bout. Fait que voilà. Puis comme Arthur, tu sais, c'est mi-octobre, ben tu sais, le newborn, ça va. Tu sais, c'est pas mal sûr que ça y fait, là. Fait que sinon, ben, je roulerai ça là 18 mois. Non, il va être trop grand. Non, mais un newborn, tu sais, quand même que ça y ferait 2 jours, ben, on aura tout le même matching pyjama 2 jours de temps. Puis, je sais pas, j'ai coupé les pieds, là. J'ai coupé les pieds, j'ai coupé les bas de pieds, puis il y aura ça 3 quarts, là. Bien. Fait que ça. Puis, je te mets un peu mieux. Puis là, mes illustrations, ça, j'ai vraiment hâte de voir comment que, de quoi ça a l'air, parce que j'ai acheté ça sur Etsy. Ah, oh, ça sent vraiment être de qualité. Oh, elles sont tellement belles! Regardez, on a pris des illustrations. Il y a un bouvier bernois de chien comme ça. Halloween. Puis un autre qui est plus, un autre bouvier bernois dans le fond, sur la thématique plus Noël. Ouais. Fait que c'est vraiment beau, c'est comme, je sais pas si, ben c'est fait à l'aquarelle, mais tu sais, je pense qu'elle est réimprime, mais tu vois que c'est de la qualité. Je vais aller les mettre dans le cadre. Fait que, il y en a un qui cogne des queues à côté, je te laisse. Fait que j'allais les mettre dans le cadre, mais là, je viens de voir que j'ai un autre colis. J'ai fait une commande chez Gap, ça valait vraiment la peine. Il y avait 40%. Fait que pour bébé, pour les vêtements, pour du linge, c'est ça, ça valait vraiment la peine. Mais ils m'ont envoyé ça genre en 50 000 shipping. Et c'est ça, il y avait des soldes. Ah oui, ça, ça en est juste un, là. Oh! C'est tellement chaud, regardez. J'ai commandé cette petite veste là, ces chemises là. Ça va être pour l'été prochain. Je l'ai commandé dans les 6 à 12 mois. Puis elle m'est revenue à 8 $. Une petite veste en jeans de même. Fait que c'est tellement chou.
C'est vraiment mignon. Fait que je suis bien contente, donc j'ai hâte de montrer ça à mon chum. Salut tout le monde! J'avais pas conclu le vlog, donc on est le lendemain matin. Comme à l'habitude, le soir, j'y pense pas. Fait que j'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. Puis j'en repars justement un nouveau. Donc on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!